C'est un travail qui s'intitule Odyssée. C'est un travail sur l'exil, en fait, qui a été réalisé en 2018. Et j'ai suivi pendant plusieurs semaines des personnes en situation d'exil au Havre. C'est un travail assez métaphorique puisqu'il s'agit de sortes de conversations de ces personnes-là avec leur environnement, avec le paysage. J'ai essayé de photographier ce que c'est que l'exil intérieur. Mes images ne montrent pas véritablement la précarité. Ce sont des portraits qui sont soit en intérieur, soit en extérieur, mais il y a pas la précarité n'est pas visible en fait. Il n'y a pas de situation un peu misérabiliste où on verrait des conditions de vie indignes. Alors, je suis assez évidemment heureuse et fière de d'être la lauréate de ce premier de cette première édition du prix Caritas Photo Social. Et je pense que ce qui est bien, c'est que ça va mettre en lumière en fait des travaux photographiques sur ce genre de sujets qui sont des sujets bien évidemment cruciaux et de société. Et je pense que de le lier à un prix photographique qui essaye de mettre en lumière aussi des écritures photographiques assez contemporaines, ça va permettre de réunir un peu le public de la photographie et puis les acteurs en fait de la sociaux qui essayent de venir en aide à toutes ces personnes en difficulté, et peut-être que ça va apporter un éclairage un petit peu différent.